Bienvenue à Mille et une culture. Dans cette émission, on va s'attarder à la loi 40, la loi modifiant donc la loi sur l'instruction publique et relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire. Pour en parler, nous avons avec nous Mohamed Ba. Bonjour Mohamed. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Appelez plus affectueusement Momo hein, par tous les Lavallois. Donc, Mohamed Ba, qui était commissaire scolaire, un jeune commissaire scolaire, oui. Qui a juste 25 ans, je pense, c'est Mohamed. Bien ça, oui. Voilà. Mais impliqué dans votre communauté depuis très, très longtemps. On oui. sait que depuis, je pense, vos 17-18 ans, oui. vous étiez déjà très impliqué au niveau de la communauté. Pour commencer, est-ce que vous êtes capable de nous faire un petit résumé de la loi 40? La loi 40, c'est un projet de loi qu'on pourrait qualifier de mammouth parce qu'il y a beaucoup d'articles. Plus de 312 articles ont été présentés lors du dépôt. 312 articles ont été déposés lors du projet de la présentation du projet de loi. Et ces articles venaient à modifier plusieurs éléments dans la loi sur l'instruction publique, dont le fait d'abolir les élections scolaires. Ça, c'est le principal élément. Abolir les élections scolaires pour le remplacer par un conseil d'administration qui serait issu de... d'où les membres seraient issus de parents et de membres du personnel. Le projet de loi touche aussi les conseils d'établissement et va aussi loin que de nommer le nombre de jeunes qui seront sur le conseil d'établissement. Donc, ça a des impacts qui peuvent être concrets sur les écoles. Maintenant, est-ce que c'était la meilleure loi pour faire ce changement-là? Je ne le pense pas. Okay. Une loi aussi qui, quelque part, traite les commissions francophones et les commissions anglophones différemment, parce que les élections restent aux commissions anglophones? Une forme d'élection, d'élection reste. Une voilà. forme d'élection, parce qu'eux aussi ne pourront plus avoir de commissaires. Okay. Donc, ça va être des parents qui vont être nommés. Qui vont être élus, en effet, mais il faudrait qu'ils soient parents sur les conseils d'établissement. Donc, d'accord. un membre de la communauté ne pourra plus simplement être candidat pour devenir commissaire, comme c'était le cas en 2014. Donc, c'est une perte pour eux aussi, parce que lorsqu'on parle de communauté, on veut que ceux qui s'impliquent dans leur communauté puissent être présents autour de la table. De la table. Et que faisait un commissaire? Parce que si ce projet de loi affecte principalement l'élection d'un commissaire scolaire qui est remplacé par un parent sur un conseil d'administration. Que faisait un commissaire scolaire, mettons, que ne pourrait pas faire un parent? En fait, c'est dans le mandat. Le mandat d'un commissaire scolaire, c'était de faire le lien entre la communauté et l'école. À titre de commissaire, je voyais mon rôle comme de m'assurer que les portes de l'école étaient ouvertes pour que les organismes puissent venir participer à la réussite des jeunes, offrir des services aux jeunes qui sont dans les écoles. Aussi simple que d'organiser un événement où les organismes communautaires et les directions vont pouvoir se rencontrer pour mettre en place des projets qui vont bénéficier nos élèves. Maintenant, le mandat du conseil d'administration est très simple. Ils s'assoient aux rencontres puis ils prennent des décisions selon l'information qu'ils ont par la direction générale. Au conseil des commissaires, on avait l'obligation morale d'aller dans nos conseils d'établissement pour savoir comment ça se déroulait dans les écoles. Puis un commissaire avait même la possibilité d'en faire plus. Puis c'est pour moi d'être dans les écoles. C'était pas juste en soirée, c'était aussi pendant la journée. Je voulais entendre qu'est-ce que les élèves avaient à dire, comment ça se déroulait dans leur école, les enseignants, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Le conseil d'administration a une responsabilité qui est très grande. C'est celle d'administrer un budget qui est au-dessus de 600 millions. Donc, un conseil d'administration qui est déconnecté des écoles, pour moi, ce n'est pas un avantage. OK. Puis, ce n'est pas forcément gagnant non plus d'avoir un parent qui a... Parce qu'il faut être parent de ces écoles-là. Pour être sur le conseil d'administration, le commissaire pouvait avoir une certaine neutralité. Absolument. On avait déjà actuellement des commissaires parents qui étaient issus du comité de parents. Il faut dire que à Laval, ils avaient une belle présence autour de la table du conseil, puis ils avaient une capacité de se détacher de leur enfant individuellement. Maintenant, la réalité reste quand même qu'ils ont une raison d'être dans le conseil d'établissement, puis la raison pourquoi ils se retrouvent au conseil d'administration. La crainte que j'ai, c'est que
pas dans l'immédiat, mais qu'au fil des ans, il puisse y avoir une dérive. Mm-hmm. Qu'il puisse y avoir une dérive puis une déconnexion de quel est le mandat général. Puis c'est arrivé avec les commissaires aussi. Certains ont perdu de vue la connexion qu'il faut avoir avec la communauté pour se concentrer plutôt sur le fait qu'il faut qu'ils soient au conseil d'établissement. Donc, les parents sont très importants dans le système, extrêmement. Mm-hmm. Mais on ne peut pas leur donner tout le fardeau, surtout pas qu'actuellement, dans le système, on leur dit aussi, vous allez faire ça bénévolement. Donc, en plus de travailler, en plus d'avoir des enfants, puis en plus de vous impliquer dans vos écoles, mm-hmm. allez au conseil d'établissement le mercredi soir ou d'autres soirées. D'accord. Donc, vous voyez que ça a quand même un impact, ça va avoir un impact négatif sur les élèves, les parents et les enseignants aussi. Le projet de loi 40 va définitivement avoir un impact qui ne sera pas positif parce qu'on déconnecte les écoles de la communauté. Les parents avaient une porte d'entrée à la commission scolaire, les commissaires qui pouvaient appeler. Aujourd'hui, le message, c'est si un parent a de la difficulté avec une direction d'école, il appelle au numéro général de la commission scolaire. Je ne sais pas si vous avez déjà appelé au numéro de la commission scolaire. J'ai écrit à la commission scolaire. c'est pas une expérience qui est agréable. Mm-hmm. De dire aux parents, vous avez des problématiques, puis maintenant, tournez-vous vers le numéro général, on ne réglera pas de problème de cette façon-ci. Moi, je pense que la connexion humain à humain est vraiment nécessaire, puis les commissaires, ça faisait partie de leur responsabilité. D'accord. Mais on met en avant quand même le faible taux de participation aux élections. Mm-hmm. Est-ce que ça remet en cause votre légitimité? Parce que les taux étaient quand même extrêmement faible. En effet, si je ne me trompe pas, la moyenne nationale était de 5 %. 5 %, c'est extrêmement faible. Mais oui. Puis je suis 100 % d'accord. La réalité, c'est qu'il y avait plusieurs raisons pourquoi est-ce que les gens ne sortaient pas voter. Mm-hmm. Certains voulaient une réforme des commissions scolaires ou une abolition des commissions scolaires. Mm-hmm. Mais surtout, la problématique, c'était qu'il y avait un manque de visibilité. D'accord. Les commissaires, on ne savait pas c'était quoi. L'exemple qui m'a le plus frappé au cours de mon mandat, c'est quand je suis devenu commissaire, j'ai décidé de faire une tournée de mes écoles. Mm-hmm. Les membres du personnel dans les écoles qui me disaient « on n'a jamais vu ça, un commissaire ». C'est pas quelque chose qui est normal dans un système où on dit « il faut que les décideurs soient prêts des gens qui vivent l'impact ». Puis si les enseignants ne sont pas au courant, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un parent soit au courant que le commissaire D'accord. existe Donc, il y avait quand même un manque de communication qu'il fallait combler. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions? On pouvait, mettons, nommer les commissaires au lieu que ça soit une élection? C'est quelque chose qui était envisageable? Bien, de nommer les commissaires, ça aurait pu mener à une autre dérive, celle que ça soit des amis du ministre, par exemple, qui se retrouvent à la tête des commissions scolaires. Mm-hmm. D'avoir des élections, ce que ça permettait, c'était d'impliquer la population. Choisir. Absolument, parce que les commissions scolaires ont encore un pouvoir qui est d'appliquer une taxe scolaire. Mm-hmm. Aujourd'hui, jusqu'au 8 février, nous étions responsables de la taxe scolaire. Donc, lorsque j'allais me présenter de nouveau à mes électeurs, s'ils n'étaient pas satisfaits, ils allaient me dire « Mohamed, merci, on ne veut plus toi ». Puis c'est un exercice démocratique qui est important. Même chose pour nos gouvernements. Est-ce que je pourrais imaginer d'avoir un premier ministre qui est nommé? Absolument pas. Je veux qu'au bout de 4 ans, choisir est-ce qu'il a bien fait son travail ou non et est-ce que je souhaite aller dans une autre direction. OK. Mais comment on aurait pu améliorer, mettons, le taux de participation? Le taux de participation, moi, définitivement, c'est la proximité et la visibilité. Mais ça, c'est un travail que les commissaires auraient dû faire. On peut mettre plus d'argent dans le système, mais ce n'est pas la seule façon. Il y a aussi de dire combiner les élections scolaires et municipales. C'est une idée que tout le monde a dit. Mm-hmm. Tout le monde l'a dit. Pourtant, les politiciens ont refusé de l'appliquer. C'est une déception. Parce que dans d'autres provinces, c'est ce qui est arrivé en Ontario. Ils ont décidé de combiner les deux élections. Puis on voit aussi que dans d'autres provinces, ils ont tout simplement décidé d'abolir les commissions scolaires pour finalement les remettre en place. Ah. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va vivre ici aussi? Pour moi, ça serait décevant parce que ça serait perdre du temps pour le système d'éducation puis des ressources. OK. Et parlant de déception, j'imagine que quand la loi a été votée, puis le même jour, on met comme un frein, puis j'imagine pour éviter que vous ayez des recours, c'était applicable le même jour. Vous vous retrouvez sans travail, sans être commissaire du jour au lendemain. Quelle a été votre réaction? Puis est-ce que vous avez des recours, vous, les commissaires? Mais c'était
très difficile parce que je regardais l'Assemblée nationale en direct toute la journée. Puis lorsque on nous a appris par surprise que au moment de l'adoption, notre mandat allait être terminé, c'était très difficile parce que ça voulait dire que du jour au lendemain, les dossiers qu'on a travaillés, fini. Mm-hmm. Un dossier qui était encore chaud, l'école internationale HMED qui est en train de se construire, on est en train de discuter comment est-ce qu'on va financer l'école. Mm-hmm. C'est des discussions qui étaient importantes pour nos communautés, que le ministre ait dit du jour au lendemain, c'est terminé. C'est mm-hmm. comme dire, on n'a jamais travaillé. Okay. Mm. Est-ce qu'on a des recours? Cette question-là, elle est judiciaire mm-hmm. pour moi, parce que c'est les juges qui, s'ils sont interpellés, vont pouvoir dire, est-ce que la loi respecte la Constitution, entre autres sur les enjeux de distinction linguistique. Mm-hmm. Il y a une campagne de socio-financement qui a été mise en place par la Ligue d'action civique. Mm-hmm. Est-ce que ça va mener à terme à une action? Absolument. Mm-hmm. Ou à ce que les commissaires soient remis en place? Je ne pourrais pas aller aussi loin que ça. Mm-hmm. Maintenant, ce que je sais, c'est que le système a changé. Mm-hmm. Si le système a changé, je veux quand même m'assurer qu'il y a des gens qui sont impliqués dans le système. Okay. Qu'il n'y ait pas de dérapage puis de dérive s'il y a un désinvestissement. Mm-hmm. Il faut que les gens continuent. Donc, vous êtes resté quand même, j'imagine, pour faire un suivi. Est-ce que vous pouviez faire ça? Est-ce que vous avez revu vos administrés? Est-ce que vous êtes présent dans le système pour accompagner le changement? Mais en fait, le ministre a mis une clause mm-hmm. dans un article dans la loi qui est que le directeur général peut demander conseil au comité conseil. C'est comme mm-hmm. ça qu'on s'appelle maintenant. Mm-hmm. À Laval, le directeur général nous a signifié son intention de nous rencontrer pour avoir nos conseils et on va le soutenir. Maintenant, ceci étant dit, ce n'est pas tout à fait la même réalité parce qu'en tant que commissaire, on prenait des décisions, puis quand on prenait des décisions, c'était en groupe. Donc, on mm-hmm. débattait alors que là, on se retrouve à conseiller le directeur général qui, lui, prendra la décision tout seul. Donc, même si l'ensemble des anciens commissaires suggéraient d'aller dans une direction, il pourrait mm-hmm. décider d'aller dans l'autre. Puis pour moi, c'est la perte justement de ce levier démocratique qui était la négociation, la discussion. Qui est problématique. Absolument. Mais tu es très jeune, Mohamed, 25 ans, puis je sais que tu as une volonté de faire pour ta communauté. C'est quoi la suite pour toi? Une politique municipale, provinciale, un futur candidat en 2021? définitivement, pour moi, mm-hmm. Dans l'immédiat, ça va être de recommencer à m'impliquer dans ma communauté, faire du bénévolat au jour le jour. Mm-hmm. Lorsque je suis devenu commissaire, puis les fonctions ont fait en sorte qu'il y avait une certaine déconnexion, puis ça arrive sur tous les paliers politiques. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté au cours de mon mandat. J'aime la proximité, j'aime être avec les gens. Donc, je veux retourner avec les organismes communautaires de CHMED, m'impliquer, rencontrer les citoyens de mon quartier avant de penser à est-ce que je vais retourner en politique active. Bien, on vous le souhaite en tout cas. On sait que vous pouvez apporter quelque chose. Merci d'être venu nous voir, Mohamed. Bien, merci beaucoup à vous encore. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Guy Mapoko, The Dirty Voice. The Dirty Voice. Voilà, bonjour Guy. Bonjour Kadi. Voilà, Guy est auteur, chanteur, compositeur, arrangeur, interprète, originaire du Togo. Vous êtes né au Bénin, oui. Titulaire d'une maîtrise en anglais, hein, avec une option linguistique et sciences de l'éducation. Vous êtes professeur le jour. À Laval, notamment, à la Exactement. Commission scolaire de Laval, professeur Exactement. D'anglais le jour et musicien le soir. Exactement. Voilà, on vous a surnommé The Dirty Voice. Pourquoi? Bon, le Dirty Voice, c'est venu comme ça. Et, mm-hmm. Vous savez, dans la vie, il y a deux genres de voix. Soit mm-hmm. la voix, elle est belle, mm-hmm. ou soit elle est sale, pas dans le sens direct du sale, dirty, mais c'est une voix rauque, une voix rocailleuse qui voilà. vient qui a un grain plus, qui a des grains un peu plus brut, oui. plus obscur. Donc c'est ça qu'on appelle le dirty voice. Voice. Donc il y a deux sortes de voix, soit la voix elle est belle, on veut l'écouter, ou soit elle est dirty, et on veut toujours l'écouter. Et une voix, c'est une voix, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est Tout ça. Le monde a une voix, mm-hmm. ça dépend de ce qu'on en fait. Donc voilà. Moi, je
on m'a appelé the dirty voice à cause de cette voix que je dégage, l'énergie que je dégage à travers cette voix. Rocailleuse à la garoue, encore un peu plus brune. Voilà. C'est ça qui va chercher loin. Vous avez été parmi le groupe qui est arrivé en quart de finale de The Voice, ici, La Voix, en 2017. Et la musique et vous, c'est quand même une longue histoire qui n'a pas commencé au Québec. Non, exactement. La musique, pour moi, il y a très longtemps, depuis l'âge de 7 ans, je jouais. Je suis né d'une famille de musiciens, d'ailleurs. J'ai fait les groupes scolaires. Et étant dans une famille de musiciens aussi, donc il s'est fait que mes frères et moi, on avait formé un groupe. On a fait sortir deux albums en 1990, le premier qui n'a pas du tout marché, on l'a rangé au placard. Le deuxième qui nous a fait connaître sur le plan national et international. Et ensuite, après... Vous étiez les Jackson 5 de l'Afrique. Exactement, on nous surnommait les Tolls, tels que les Jackson 5 d'Afrique. Donc, suite à ça, bon, moi, j'ai immigré au Québec, histoire, bon, parce que je voulais me avoir d'autres défis. Je voulais étendre mes branches un peu en Amérique du Nord, un public que je n'avais pas pu toucher quand j'étais en Afrique, mais je tournais un peu dans le monde. Donc, j'ai voulu me baser ici. Une fois arrivé au Québec, et j'ai continué à jouer aussi dans les bars, les restaurants, parce que je devais reprendre à zéro. J'étais connu ni d'Adam ni d'Ève. Ce qui fait que j'ai commencé par jouer dans les cabarets, les restaurants, les mariages. Je tournais encore au Québec. En un an, deux ans, j'étais presque partout et nulle part. Nulle part parce que je n'étais connu ni d'Adam ni d'Ève. D'où des gens qui m'ont vu prester, jouer, me disaient « Mais pourquoi tu n'allais pas à la voix ?» Moi, je dis « J'aime pas les compétitions. Je demeure égal à moi-même. Je préfère être moi-même. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. » Donc, Mais finalement, ils m'ont convaincu de fil en aiguille. J'ai été convaincu. C'est un tremplin, exactement. Ils ont dit « Il faut aller te faire connaître. » Et suite à ça, j'ai dit « Ok. » Pourquoi pas, j'ai été. Et je me suis dit, écoute, je ne vais pas à la voix nécessairement pour gagner, ça va être une lumière sur moi. D'où ce qui s'est passé réellement. Et j'ai dit, écoute, je vais à la voix et ça s'est passé comme ça. C'est pourquoi la première fois qu'on m'a donné l'opportunité, j'ai mis tout le paquet parce que je me disais que peut-être que c'est la dernière fois que je vais chanter là. Et puis voilà, il fallait mettre le paquet. Et puis la visibilité a été au-delà même de mes espérances. Et ça a marché. Du premier coup, les quatre juges qui se sont retournés. Avant même que je ne commence, ils se sont retournés parce que je me suis même déjà lancé le défi. Ils m'avaient demandé s'ils ne se retournaient pas. Je me suis dit, ouf, s'ils ne se retournaient pas, peut-être que... Je devrais y repenser. J'ai dit quelque chose que je ne veux pas même répéter ici, je ne sais pas, mais c'est un défi que j'ai lancé à tout le monde, même les coachs. Ils se sont retournés même juste au premier son de ma voix. Là, j'ai dit maintenant on va faire le show parce que ils auraient manqué le show. Et vous vous êtes retrouvés, je pense, dans l'équipe de Éric Lapointe. Éric Lapointe, qui allait dans le même sens que moi dans la musique. J'aime bien, c'est l'un des artistes que j'ai connu ici et dont la musique m'a beaucoup plu. Donc, on allait presque dans le même sens, le rock. Et votre style, c'est le rock africain. C'est le rock africain. C'est quoi le rock africain? Qui vous avez fait du rock africain? Le rock africain est né du fait que, ayant joué dans les cabarets, ayant joué partout, ayant joué de la musique, j'interprétais beaucoup de rock. Je faisais non seulement, je suis passé par le jazz. Le jazz, c'est mon école. Je ne voulais pas faire carrière en jazz. Du jazz, du blues.
je faisais du blues aussi, mais le rock, c'est mon style préféré. Mm-hmm. Le blues étant la mère de toutes les musiques, les autres étant des enfants du blues. Mm-hmm. Donc, j'ai préféré aller dans le rock. Et de fil en aiguille, j'ai joué le rock et les influences traditionnelles africaines aussi mm-hmm. s'y sont gravées. Mais je me suis dit, j'ai aussi une racine. Donc, j'ai voulu mélanger le rock avec certains instruments qui, à l'époque, étaient et permettaient de jouer le rock. Parce que le rock n'était pas joué avec les instruments modernes mm-hmm. d'aujourd'hui. Donc, les instruments traditionnels avec lesquels on jouait le rock, le blues et puis tout ça, j'ai voulu okay. le mélanger pour recréer, voilà, pour recréer le rock que mm-hmm. j'appelle le rock africain. Le rock, c'est du rock aux couleurs et saveurs d'Afrique. D'Afrique. Ouais, exactement. Avec une batterie recomposée. Recomposée, voilà, exactement. Spécialement typique. voilà. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et vous avez sorti un album, Pardon. Pardon. Voilà. Après le deuxième album que j'ai fait sortir avec mes frères, mm-hmm. qui étaient les frères Koudakol. Donc, cette année, j'ai voulu, l'année de 2019, j'ai voulu faire sortir mon album solo mm-hmm. qui s'intitule Pardon. Avec une nouvelle sonorité qui est le rock africain. D'accord. Exact. Et pardon pourquoi, pardon à qui, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait pour vous, qu'est-ce qu'il est essentiel de retenir oui, de pardon, cet album? En fait, pardon, c'est le culte du pardon, le mm-hmm. pardon. Tous les jours, on dit pardon. Mm-hmm. Quand tu offenses quelqu'un, tu le dis pardon. Parfois, mm-hmm. tu offenses quelqu'un, mais tu n'as pas envie de dire pardon parce qu'à cause de notre orgueil. Mm-hmm. Moi, vous savez, dans mes chansons, je véhicule toujours des messages qui conscientisent pour mm-hmm. éduquer. J'égaye, mais j'éduque aussi. Donc, c'est le culte du pardon. Accepter de dire pardon et accepter le pardon d'autrui aussi. C'est d'accord. pas évident. Donc, mm-hmm. le culte du pardon, vice-versa. Entre, on peut dire pardon à un enfant, mm-hmm. on peut demander, parce que c'est pas parce que c'est ton enfant que tu as fait quelque chose que tu sais que tu es coupable, tu vas pas lui dire pardon, c'est un être humain. Dis-lui pardon, ça mm-hmm. te rend plus grand. Et on peut demander pardon à ses frères, à n'importe qui, quand on a, et aussi permettre aux autres et à ceux qui reçoivent le pardon d'accepter le pardon. C'est okay. important, c'est un mot clé de mm-hmm. la vie. Et la vie sans le pardon, ce sera une jungle. Donc, un album toujours aux saveurs rock africa. Et on va se quitter sur cet album d'ailleurs avec Pardon, ouais, le titre. Voilà. Merci beaucoup, Guy Mapoko. Merci, Kadi. Et c'est un plaisir. Et j'invite tout le monde à bien écouter l'album. C'est sur toutes les plateformes numériques et mm-hmm. distribué par Sony Music, The Orchard. Donc, le clip vient de sortir et je vous demande de savourer. OK. Merci. Puis là, pardon, tu vas prendre ta place. Là. Bien On sûr. Te laisse la place en musique. Voilà. Merci à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos remarques et des suggestions. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Plein de charme, il y a des âmes qui ne s'alarment qu'avec les âmes. Yeah. Si je t'ai offensé ou si mes mots t'ont blessé, appelle-moi pour qu'on se voie, toi et moi. Cela est plus amical que d'agir en animal et te préparer à vouloir te venger. Yeah. Si je t'ai fait mal, pardonne-moi. Si je t'ai fait mal, ne m'en veux pas. Je ne voulais pas te faire du tort. Si je t'ai fait mal, pardonne-moi. Si je t'ai fait mal, ne m'en veux pas. Je ne voulais pas.
lumière qui rayonne, comme le tonnerre qui résonne. Il y a des personnes qui se raisonnent et se pardonnent. Tes parents peuvent t'offusquer, tes frères et sœurs peuvent t'agresser. Souviens-toi, qui sont humains comme toi et moi. Prends juste le temps d'écouter, de puiser dans l'humilité, pour qu'ensemble sans offense, on s'assemble sans défense. Cela est plus amical que d'agir en animal et te préparer à vouloir te venger. Yeah. Si je te fais mal, pardonne-moi. Si je te fais mal, ne m'en veux pas. Je ne voulais pas te faire du tort. Si je te fais mal. Alors, merci de nous avoir suivis. Comme vous le savez, nous vivons une situation exceptionnelle avec cette maladie à l'échelle planétaire, la COVID-19, qui nous oblige à rester à la maison, à suivre les consignes. Et pour cela, nous mettons l'émission en pause à l'image du Québec jusqu'au 15 avril. Et nous vous invitons à respecter aussi les consignes, à rester chez vous, à ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire, pour que tout le monde puisse s'en sortir et pour que nos médecins, nos ambulanciers, les infirmiers, le personnel soignant, les gens qui sont dans les épiceries, les gens qui sont sur les chaînes de distribution alimentaire, les camionneurs, tout ce beau monde-là qui est dehors pendant que nous sommes dans le confort de nos foyers, puisse aussi prendre un break à la fin de tout ça, puis qu'on puisse vivre un bel été. Donc on vous donne rendez-vous le 15 avril pour de nouvelles émissions. Je ne voulais pas te faire du temps. Oh. Si je te fais mal, pardonne-moi. Si je te fais mal, ne m'en veux pas. Je ne voulais pas te faire du temps. Je ne voulais pas te faire du temps. I'm sorry for the pain I did. I'm sorry for the wrong I did. Oh, I'm sorry for the drama.